Bonjour, bonjour, bonjour mes bien-aimés, mes frères et sœurs, bonjour. Kenya à tous mes frères et sœurs catéchistes dans le monde entier. Et c'est la voix de votre bien-aimé, Frère Fumontoto Lucas. Vraiment, il y a longtemps. Salut Nicole Ebele, tout ça, la question est longue, on a bien noté. Vraiment, c'est dit à beaucoup de choses. Mais, les amis, nous sommes là, nous voici encore présents. Les bossons n'ont pas de nom, les bossons d'écran n'ont pas de nom, les bossons n'ont pas de téléphone, n'ont pas de nom, les ordinateurs n'ont pas de nom. Toujours, caca pour nous soutenir, pour se soutenir, pour nous couper sa conseil, pour nous encourager, pour que ça m'a maillé le moquier. Nous évoluons dans le bon chemin. Que tout le monde réussisse, réussisse sur la terre. Nous devons réussir, nous devons s'éteindre là. Parce que nous sommes envoyés ici sur terre, n'est pas pour venir souffrir, mais pour venir vivre une vie paisible. Voilà. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons parler des 16 conseils aux garçons. Nous allons parler de 16 conseils très importants aux garçons. Donc, nous parlons surtout aux jeunes garçons. Mais nous aussi, des papas, nous n'avons pas encore atteint l'âge de vieillir. Nous avons encore l'âge pour nous permettre de réussir notre vie. Nos vies. Donc, ma conseil est considéré du sort. Ma conseil est dans ma langue qu'on a du sort. Donc, ce n'est pas seulement pour les jeunes garçons. Parce qu'on dit jeunes garçons, c'est ceux qui ont encore jeunes. Je me suis déjà, comme dans mon âge de maturité, je me suis dépassé 18 ans, mais je me suis c'est encore des jeunes. Mais tous ceux qui sont mariés, comme lui, qui se balient déjà, mais ils en ont une 5 à 50 ans, 5 à 30 ans, 5 à 25 ans. Conseil aux Israélites et qu'on a vu ça. Très important. Donc, pour la nuit, il est très important. Nous voyons dans la vie, mes amis, beaucoup de gens, de mon accord, ils ont la facilité pour réussir la vie, mais pourquoi pour s'en sortir. Parce que quand on est belé, parfois, Bazalaki vraiment préparé. Bazalaki préparé, Bazalaki va occasion moko boye, il y a mal à mon penza. On a besoin de vie et qu'il y a des bosso, mais il faut tenir l'opportunité où on a été. Bazalaki va délaisser, Bazalaki va te ou commencer. On va s'en sortir ma vie. Il faut que envier les autres. Ah, nazala ce qui n'est pas noana. Ah, nazala kalokola ce qui n'est pas noana. Donc la vie ça se prépare. La vie il faut avoir une base. Cher garçon, vie va préparer pa yango. Vie eza eloko mokote ba lokota kana nzela na balabala. Vie eza eloko mokote ekite la kamoto ba moko na ma chambre là yo et qui te le boum te viva prepara ka yango pote nous akoma na mbongo on a préparé cela pour arriver à l'argent pour que quelqu'un arrive à gagner sa vie et à gagner pour préparer famille na ye il a été préparé donc préparation wana ce sont ces conseils pour que singa yo on a lobby pour y bako gagner vie na yo. Là, on a le dit que les amis peuvent être dans la jeune garçon qui a été. Même les gens qui ont été balis, les gens qui ont été dans 30 ans, 25 ans, 30, 40 ans, c'est ok. Mais nous avons encore la force de conserver la vie, la force de travailler. Nous avons l'ambition pour réussir dans la vie. Le conseil Oyo est concerné du sort. 16 conseils très importants aux garçons, aux jeunes garçons. Donc, sans plus tarder, je vais ma premier conseil. Il faut apprendre à se battre dans la vie, car l'homme est la tête de la femme.
Donc, ndeko nanga mwana mobali. Ndeko nanga mobali. La vie est un combat. Dena lobaki et vie va préparer kayango. Donc, il faut apprendre à se battre pour gagner la vie. La vie, c'est un combat. L'homme doit être à la tête de la famille. C'est toi l'homme qui sera le champion de la famille. Maman, bana, on est à la caille. Papa te coliate, papa te colatate, papa minerval, papa boye, papa boye. Donc tu es à la tête de la famille. Donc ce n'est pas facile, c'est un combat. Donc tu dois apprendre à se battre. Pour se battre, ce n'est pas pour que le monde se batte aux embourgés, mais tu dois lutter. Tu dois faire des efforts, fournir des efforts pour gagner la vie. Il faut tout faire pour réussir dans les bonnes conditions. Tant que nous sommes sur le côté, quand nous sommes invités, quand nous sommes invités, quand nous sommes invités, au tiki, au outil de sala, on s'assume quelque chose. C'est pour cela qu'on attend que quand on a vu son apôtre, il y en a d'autres qui font deux boulots à la fois. Trois-même. Azana ba air limité. A sali koto a sili si a ke ko sala kuna. Pourquoi il lutte de la vie? Parce que azo mona ke, mon mouke wana zo zwana place moko, ezo koki la yete. Donc, a fournir ba effort, a se diviser, marge passe, a koubima 5h, a koubima 5h, 4h, nandaku, mais a kei. Donc, il faut se battre. Jeune garçon, tu oto kola, il faut yeba ke non, tu dois fournir des efforts pour devenir un parent, un papa qui sera à la tête de la famille. Donc il faut du courage. Pour la famille va conditer. Ne soyez pas là seulement à regarder la télé. Ne soyez pas seulement là à parler des musiciens, des joueurs, de la politique. Finalement, du monsieur la Kandengwana qui sera fainéant. Nous le bouton au Bali. Qui ne fera absolument rien et qui a des problèmes pour former une famille. Voilà notre premier conseil, c'est très important. Donc, l'ongola paresse. Vous avez ma kasi, vous avez ma boko, ma kolo, tu dois fournir des efforts. Tu dois aller chercher, sortir de la maison pour aller chercher. Merci beaucoup. Deuxième conseil, donne-toi à tes études si tu es étudiant. Et si tu n'es pas, essaye d'apprendre un métier, car la richesse et la réussite n'est pas seulement sur le banc de l'école. Voilà. Donc, ce que vous allez étudiant, qui est élève, étudiant, il faut se donner aux études. Donne-toi aux études, parce que les études, ils allaient beaucoup à facteur et au sungayo. Lobby que tu sois quelqu'un dans la vie. Donc, prends cela au sérieux. Vous voyez comment on appelle dans le monde de Misala, comment on a monté à Tanga dans le domaine Wana, à Tanga électricité, à Tanga mécanique, à Tanga électronique, à Tanga département Nyonso à Tanga. Mais il n'est pas mire à forte, à dominer matière Wana bien. Il fait ses responsabilités sur ce qu'il a fait, mais il n'arrive pas à s'en sortir. Succès dans le salaire, on a égalité. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris ses études au sérieux. Combien de fois, tu vois, comme on a des étudiants, des élèves, des gens qui sont dans l'école, c'est pour aller s'amuser. Ils sont dans l'école, c'est pour un débat inutile. Ils sont dans l'école, c'est pour un débat inutile. Ils sont dans l'école, c'est pour défiler caca. Là, tu propre accueilli qu'un étudiant, mais il fait des bêtises. Et lobby, qu'on a joué du papier, on a joué le cas. Tant qu'on a un monde de travail, a joué le salawana, mais en tout cas, à quoi s'en sortir, a joué au cacher, a joué l'opportunité, mais a joué quoi qu'on maîtrise en beauté. Donc, mon frère, ma soeur, mon frère, surtout, si tu es étudiant, et c'est lui qui fait ça.
prends tes études au sérieux. C'est ce qui est important, parce que ça, évitez d'abord les autres choses là. Il faut te donner corps et âme. Namusalawana. Et puis, ce que vous allez étudier, tu n'es pas un élève. Possibilité vous allez étudier exalté. Possibilité vous comment il y a la classe exalté. Donc, fais quelque chose, fais le nécessaire ou apprendre un métier. Apprends-toi un métier. Apprendre un métier parce que la vie ne se gagne seulement pas que tu dois passer sur le banc de l'école. Tu dois apprendre quelque chose. Eko Sungayo. Kamisa, misale za ebele. Misale izali ebele oyo sengene osala. Kamisa. Kanisa ndeko nangai misale za ebele. Tu dois prendre quelque chose à faire. Yomto tangaka, prends tes études au sérieux. Otangi esili, omoni domaine wana ezo permettre penda te. Domaine wana ezali rada sur le marché des emplois. Donc, fourni des efforts oye kula mususu. Tuzali komona bati mususu. Atangi kur oyo, option oya silisi. Ayoki keno, monde ya musala nango malamu te. Azonge lisu pe ya possibilité. Abande lisu supona kusala bakur mususu. Lelo yo, bakur de formation e komi ebele. Fait ma cour la formation personnelle. C'est la cour moi la formation personnelle parce que c'est là et que Singayo lobby on reçoit la vie qui se prépare. La vie ne se ramasse pas. Non. Donc, c'est le moment quand tu es encore jeune, tu dois préparer, tu dois prendre tout en main pour te donner, tu t'en sors vainqueur. Je l'ai dit, ma troisième conseil très important, évite de compter sur l'héritage de tes parents. Mais plutôt, apprends à construire ton propre héritage. Évite de compter sur tes parents. Évite de compter sur l'héritage de tes parents. L'héritage de ta famille. Mais non, fournis ton effort pour préparer le tien. La richesse de la famille, tu n'es pas celle. Il n'y a pas que vous allez ébeler. Même ce que le débat est juste, qui est le responsable de la richesse de la famille, mais tu dois savoir que Batu est belé en tout cas là. Donc, la famille est la famille. Si aujourd'hui ça peut venir, tu ne peux pas refuser. Tu ne peux pas jouer Yango, tu ne peux pas gérer Yango. Mais compte souvent sur toi-même. L'opportunité que papa te donne, l'opportunité que l'oncle te donne, l'opportunité qu'on te donne dans la famille pour te supporter. Quand tu es encore jeune pour aller à l'école, pour étudier, pour faire, pour se préparer, vous voyez que la moussala, la moussala nini, compte à cela. À bien faire cela pour que nous puna et sungaye. Et là, on a encore ça là, kanisa dans le monde de métier. T'as la papa, t'as la maman, t'as la noko, t'as la nani, t'as la nani, même dans les quartiers. Nous, la moussala, nous tenons comme vous avez encore ça là, yoye que la yoye. Il y a quelque temps en université. Alors, se donner pour que l'on le bifouna pour s'en sortir dans la vie. Donc, évitons de compter sur l'héritage des gens, de nos familles, membres de famille. Mais nous devons fournir des efforts pour préparer notre propre héritage. Merci beaucoup pour l'équipe. Ma quatrième conseil. Lorsque tu as déjà réussi un peu dans la vie, ne comporte pas à l'égard des autres comme si eux ne resteront jamais. Bande ko ebele bazali ce qui est azui akomi ko mona ba mususu neti ba niama. Omona ba mususu neti ba salite moko boye.
des fois même des gens qui vont dire que yo na vie na yo j'ai envie de comme un étranger yo na vie na yo na ko somba yo toi tu n'as absolument rien. Donc non mon frère, tu fournis des efforts au réussir dans la vie, merci beaucoup. Au réussir dans la vie, merci beaucoup. Quand il y a des gens qui ont fait un respect, respectez-les. Il y a des gens avant un matin, vous allez faire un bango. Si aujourd'hui, toi, tu travailles, comme on a fait un bango, tu as fait un bango, tu as fait un bango, tu as fait un bango, non. Ce qui est, vous allez faire grâce. Et toi aussi, tu es né chômeur. Mais après, tu commences à travailler. Ce que ça a moutouka, il y a pas que moutouka wana, moutoua sala ki yango, yo sombi. Donc, moutou moussou pe akoko ko somba yango. Si tu trouves à manger aujourd'hui, osoko lia, il y a pas que moussou pe akoko lobby, yo pe ko rente ou ko zanga yango lobby. Donc, tant au récit, osumo quelque chose, comme yon a teke osuki si mokili. Que yo kaka na yo ba musu batika ko zwate na vite et ça va leçon de la vie o ko sunga yo parce que soki okoye ba ko traiter ba mususu malamu tango yo zui e ko sunga yo un jour e ko sunga bana na yo un jour ata yo kenda na yo mitango batu wana ba ko zwa ba moni bana na yo ba ko tika bangote ba ko loba en tout cas nous avons gardé de bonnes souvenances concernant son papa, à son qui biso mingi, biso pe photo sunga banana yo. Bien que tout le monde ne le font pas, mais eko zanga te, na batuana oyo ko sunga, to papa na bango a sunga, sir diz, ata mi baleta moko, akoyeba ko reconnaître bango, ako sunga bana wana. Mais soki yo ozui lelo, okomi ko sabote baninga, okomi ko néglige baninga, okomi ko mona batu lokola ba fourmi, donc on a des objets à acheter, de tiller, de faire tout ce que tu veux. Les choses changent. Makambo est bon guanaka. Si c'est comme un neuf, le lot si c'est comme le neuf, makambo est changé. Ozala kina mutuka, mutuka e koufi, musala e koufi, mbongo okoyi, okosuka ndenge nini. Yo mona ki batu pamba, okosuka ndenge nini. Ebele ba kima ba ville, ba zonga na ba mboka. Bakayana ba fili moko bo utu akwa ko mesana te mais afanda kaka parce que ko te bana ko fanda tanga zakena mo mukie abla kisa ki grodo ami mona ki ye kaka etango akome na faillite akwa soko supporter te ko tala batu wana abana ko negliger et le ko la pen zambe za le zambe ya ngolu zambe ya asala ka makamu na ndenge na ye okomuna na tango yo komi na se batu bazakena se yawe amatse ba komi likolo kapo kuta na yo tala ina miso yo moko mona ke awa na kokate boni batu ba miko bakufa akoko supporter parce wana te akufi avant. Donc mon frère ma sœur soki nzambe na lola musala na yo zali ko sala et loko zali ko fournir ba effort et pesi au réussir ba porte fongwami komona te ke kaka yo kanisi la pe batu mususu respectez-les, considérez-les, encadrez-les, vous allez toujours bon envers eux, parce que les choses peuvent changer. Makambo, il faut changer. Donc, tout le qui na 4, na 5e conseil. Toutes les tempêtes ne viennent pas gâcher votre vie. Certains viennent nettoyer votre vie. Donc, mon frère, Zala Mayele. Toute tempête ne vient pas pour gâcher, pour détruire ta vie. Mais la tempête est belle et yaka pour nettoyer la vie. Donc, accepte tout ce que tu rencontres. Accepte cela. Tant que la tempête est yé, fanda calme, quitte pour la tempête est yé. Nous avons aperçu que nous avons la sagesse. Nous avons la sagesse pour contrôler la vie. Nous avons pourquoi tempête est yelengai? Pour na nini problème o yelengai? Ba problème sous e yé pour na eme mayo na nzela moko boye, oke noko koute na moma ya malamu. Tempête mousse o yela yo parce que c'est toi qui a commis des erreurs. Tempête mousse o yela yo parce que pour payer,
tes dettes, pour payer tes gaffes. Récompense na yo. Donc, il faut être sage. Il faut être sage. Et ça, la tempête est yé. Passe moko bo yé. Pour na e préparer yé. Mais vu que azana sagesse wana te, a yé bako se contrôler te, a se laisser na passe wana, yé pe a se laisse embarler na passe wana, to na difficulté wana, et moyen a ko ako koma na njela, a kota na niveau wana, riba komisa yé, pour a réussir a sepe la, e ko sa la te. Pour na nini, passe wana a koki angote, tempête wana e memi yé. Donc, yé ba ete ke, nyo se koye la yon na vie, moussousou e yaka, ata passe na yango za ndenge nini me eyaka pona kobongisa vie na yo. Donc isala mayele si porter ce qui peut te venir, accepte cela, landela yango okomona yango nde na suka e kobongisa yo. Boni bat mosusu abanaki ko sala mosala ya malamu, azosala si bitima balongolie. Tang balongolie akomi na ndako afandi mo mokie susi wana esili abande ko atelemi banolu kwa sumo sala mosusu. A quel niveau ya ko kuta na musala kuto eleki o balongola kiye a 5 fois voire même 3 fois salaire moko ni kolomba la moko a récupéré so ki balongola kaite na musala li bosuana il y a kesa la passe a ke nkoza musala wana. Donc il y a des mal qui vient pour les biens. Nous devons être sages. Nous connaissons des amis à voyager, à kenya na mboka moko boye. Abundani, les choses ne vont pas bien. Ils ont tambo la malamu te. Ya sibitima problème moko boye ye liye, soit a kimikuna, soit ba refoule ye, ba bengani ye, a zongi na mboka na azalaki, a kekuta na horoscope, a zui musala moko boye, vina ipe s'organiser. Donc, zala sage. Soyons sage. Likam onyo se koye la yo, accepte ça. Na yebe ko sala passe me komiti kate okenye na passe wana na susi wana me tala pona nili kambo oye lingayi soko mouni ko zali coupable te me li kambo oye zala kalme tala siko yo nini nzambe oa sala yo aningia bongisela yo liboso. Merci beaucoup toleki na sixième point Tu n'existes pas pour impressionner le monde. Tu n'existes pour vivre ta vie d'une façon qui fera ton bonheur. Tu n'es pas là pour impressionner les gens. Non. Tu es là pour chercher que ton bonheur. Pour la vie na yo OCP là. Donc ne crée pas de problèmes inutiles auprès des gens. Kokoma mutute otila batu ba piège ba kweya. Pourquoi m'a-t-il montré mon corps dérangé, battu, mon souci, voir que les libos sautaient, n'importe quoi, parce que tant que j'osui, oui, mon égard, yo, kaka, non, laisse aussi les autres aller de l'avant, laisse les autres aller de l'avant, mais le peu que tu y a, mon vie au gros en ayango, encadrer cela bien, l'aider là bien, parce que y a monde comme il y a yo bonheur, l'angela na yango, ce que j'ai rangé malam, y a monde comme ils sont à bonheur na yo, c'est très important. Toleki na huitième conseil. Plus tu t'avances dans ta vie et plus tu te rendras compte que le plus important, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'amis, mais d'avoir de vrais amis. Aussi longtemps que tu grandis, aussi longtemps que nous matana ba étape, aussi longtemps que nous mayele, on comprend que il n'est même pas bon. Le plus important, ce n'est pas avoir beaucoup d'amis. Ma camarade est belle. Mais, nakane, c'est le plus important, le plus meilleur, c'est avoir de vrais amis. Avoir des amis, ce n'est pas mal. Mais avoir de vrais amis, c'est ça qui est meilleur. Donc, attention. Okomona nan zinga na yo, beaucoup d'amis. Ba louka ka yo kaka. Ba yaka kaka na yo, c'est bien. Mais attention. Cherche de vrais amis. Pour ba mususu ba yaka pour na ko détruire. Ba mususu ba yaka pour na ko benda kaka ko za intérêt. Mais ba mususu ba za wana pour t'aider.
ko soutenir yo kende liboso. Yaraba ami mususu, ozo betele li solo ke mon ami, ana boule na sala boye 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 boye. Likambu wana izabi eko sunga yo pote okene su musika. Me ami wana telema ke ye aya, pote asunga yo kende li musika, ye aya au contraire a benefise na muke ozana yango, ye asepela na ye, ako ye bisa yo, ako peso conseil mabe. Non ne fais pas ça. Soko sa yo loko wana eko simba te nan limite. Mais le vrai ami, o aya ki pona ko soutenir yo, ako ye bisa yo, bon idée. Continuez. Donc, cherche d'avoir de bons amis. De bons amis. De vrais amis. Quand on dit ça, ami, belé, belé, tenzenga, zenga na yo. Et que ça, la yo kaka toujours passe. Donc, Zala Mayele, toi, mon frère garçon, ou mon frère homme. Donc, il y a 9e. 9e conseil. Arriver à un stade de la vie, évite les disputes inutiles. Si quelqu'un te dit l'éléphant peut voler, dis-lui qu'il a raison. Oyebi qui est intelligent, oyebi que l'éléphant jamais autre que la kopumboa, jamais autre que la ko voler. Mais Mutumoko boye ayebisio que l'éléphant est à quoi voler naie. Au talier pour éviter ma discussion, pour éviter à perdre ton temps. Parce que oyebite ponya ko yebisio makambuana. Ya mususu azul ko ba problème. Aye le causerie moko boye mabe. Mususu azinga Alexa au temps. Mususu azo distraire yo. Donc soyez concentré dans ce que tu fais. Évitez les discussions inutiles. Mutu mususu ayebisio likambo. Au moins que oko expliquer yé ako comprendre yango te vu que niveau na yé zana se compréhension na yé moké éviter likambo ayebisio oui c'est comme ça un jour ake nokuta na mutu oyo ako linga ko pe de temps na yé ako expliquer yé tant mutu ko comprendre te mais après beaucoup des années ako comprendre que non azana erreur yo ko lik satante accepte et lelo to komo komona yango aussi donta ozala frontal na bato tu auras toujours des problèmes. Aussi longtemps que l'on a collé sa capacité na yo. Le lot, tout ça na ba connaissance moko, ya lukuta kate na biso. Ba connaissance moko bo ba kosa biso mingi. Ba kosa biso ba matière moko bo ya lukuta mingi. Aussi longtemps que yo oyebi vérité. Na tango nyo so ba na ko bunda. Ko talisa yango na bato. Mutu ayebi so boye yo meki ko convaincre ye. Et comme il me l'a dit, orgueil. Et comme il me l'a dit que non, c'est comme nos qualifiés dans les nions. Donc, il y a un certain stade. Nima. Tikaye Ndengwana. Ne disputez pas inutilement. Cherche à disputer pour avoir une connaissance. Mais dans mon tour, dans la connaissance, au lingo pesaye, par discussion, évite ça. Et allez de l'avant. Aller de l'avant. 10e, le silence est le plus haut degré de la sagesse. Le silence. Silence, c'est très important. Jeune garçon, de konanga mobali, ce qui utilise le silence était, c'est difficile. Parce que quand tu es toujours silent, ou utiliser le silence, il y a que tu t'approches à la sagesse. Il faut être silencieux. Fais toutes ces choses en silence. Ne fais pas beaucoup de bruit. Quand tu es comme ça, tu es comme ça, c'est quoi approcher. Tu as découvert qu'il ne connaît absolument rien. Il n'y a rien de bon. Mais tu as tout le silence. Bien que tu aies dit que tu as un silence, mais absolument rien. Aïebi loko mon côté. Il ne connaît absolument rien et continue à stade de silence. Pour nanine, aïebi que non, na stade on a comme na yango, batinus wazo talangaye. Alors, ce qui peut na kola kisa brou. Ah, na komi kunda. Afin de nier, a komi koye kola na batimususu. Donc, batimususu a salaka silence parce que aza sage.
Donc, soit celui-là qui utilise le silence pour devenir un sage, pour surprendre les gens. Donc, utilise souvent le silence. Le silence, c'est là ton minéral plus haut. Que ça la plus bavardé. Mouke mouke, je l'oba. Likambo yeba yango yeba yango te tozo l'oba. Non. Eko kouf sa yo soni. Eko bamba ona se. Mais parle au moment où tu dois parler. Parle quand tu as la conviction de parler. Et ou yebi ke na moment na zo l'oba, et zade au moment opportun. Zala sir na likambo zo l'oba. Tan ou yebi ke likambo na zo l'oba, et zali nengwana, c'est vrai. L'oba yango, nami sabato. Bako pe sou valer. Mais quand il parle beaucoup devant Bato et Bélé, ou bimisi le kamamabe, et ou kouf sa ou soni, et ou zongi sa ou sima, ou kousan ka pe considération, et le vasope kou yate. Donc, il pratique le silence. Pratique le silence, cela t'amènera à la sagesse. Onzième conseil, mettez Dieu dans tout ce que tu fais. Et vous les verrez dans tout ce que vous arrivera. Zoya wenzambe, chayeli boso na makamuna un nyonso, pe okomona ye na makamunyonso obando kosala. Et soki ya wenzambe, ton Dieu, ton créateur, akomi na kati ya makamuna yo, akoti makamuna yo, ye Yeshua kate. Au contraire, tu auras des réussites en réussite. Oui. Na nyonso okosala, na ba klasi na yo, na misala na yo, na commerce na yo, na libala na yo, tout, mettez ton Dieu, le créateur que moi j'appelle Yahweh, le grand tout, la source de toute connaissance, la source de toute vie, le créateur du ciel et de la terre, il n'est pas l'homme. Chaye libosu ya makamuna unyonso. Soko zi nzambe wana, o cheye na sima, o zi mayele na o cheli boso, makasi na o cheli boso, bomengo na yo cheli boso, kitoko na o cheli boso, ti ne resera pa. Oko resirte, na motamu ki oko kweya, oko bambana, oko suka. Donke soko lingi o resir, oke ni musika, zwa nzambe, le kreater, cheye li boso. Ko cha nzambe li boso na yo, donc, tambola na ye elongo. Donc, tu dois conclure une alliance avec lui. Comment conclure une alliance avec lui? C'est en acceptant d'obéir à ses commandements. À faire ce qui est sa volonté. Nandengwana ocheli boso na yo. Ce n'est pas na kombo. Ngana za mwana nzambe. Ngana za mwana nzambe. Ngana za mwana nzambe. Ngana yamba kingandi. Ngana na bongola motema. Ngana za mosali. Non, ce n'est pas ça. Mettez Dieu en première place na makamuna yo. Na ko tambola selon volonté na ye. Ko tambola selon volonté na ye. Oko mona ndeko na ngai. Oko koma na niveau moko bo batwana ko comprendre yo te. Batwana ko lobaka mais ce n'est pas possible. Muto sambola bakisi parce qu'on la on le comprend pas. Ye abana ko bundela yo. Nsambe abana ko tinda ba santu na ye, ba ange na ye, ba ko batela yo na butu, ba ko batela na moyi. Likambo o batwana ko kokate yo bana ko koka yango. Batwana ko comprendre te comment o bana ko matela. Parce que tu es nzambe na yo liboso. Donc, c'est très important. Biso ba jeune de ce moment, de cette génération, to lingi sou nzambe te. Tant nous to lingi nzambe, mais nous sommes des grands hypocrites. Des grands hypocrites. Oto zoko la kisana batu, oto zali mousousou, mais oto salaka mousousou, makamuna biso yoko simba te. To lingi koutou makamuna nzambe te. To lingi mokelite koutou koresi nengenin. Donc, yo jeune, si tu veux encore réussir dans la vie, la facilité de réussir, que tu sois otanga, bien otanga te, prends, mettez d'abord Dieu, liboso na yo, na nyonso, et zara na courage, kende liboso, oko kende. Donc, c'est très important, mon frère, kobosa na likambo oyote, na yonde konanga mobali. Toke yina, mususu na 12e, évitez la vie des collections de petites copines
éviter la vie des copines et autres, car ça finira par te détruire. Car tout ce que tu fais aux enfants des autres, on le fera aussi à tes sœurs et à tes propres filles. Ndekunanga mobali, jeune garçon, mingi tozo réussir parce que on s'est donné dans la vie il y a copinage. Ka yo o raisonna ka lika mususu te, ka yo vina yo komo na mwana mwasi ale ka liboso na yo te. C'est ça qui te fait. Il y a voire même des gens, ba gris gris ba fétiche miki miki pour on a toujours adominé ka ba fille. Yé ba fille nyo son na quartier. En tout cas, azana j'ai des éliminatoires à éliminaka à pasaka à lekaka poa 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 poa. Via copinage, ils allaient vie oyo et zongi sa batu ebele sima. Ils allaient vie oyo et même la batu ba malheur ebele. Ils allaient vie oyo et même la batu ba malade ebele. Et beaucoup ba pedra ba vie na bango likolo ba via copinage. Et ebele ba allaient bloquer les lots. Likolo ba via copinage. Donc mon frère garçon, mon frère mobali, que tu sois papa, beaucoup de papas, beaucoup de hommes, ils sont dans ces vies de copinage. Ils font n'importe quoi. Un papa de 50 ans, il y a 16 ans, 17 ans. Combien de papas ont babysit dans le bateau? Pour y avoir facilité, que ce soit 10 dollars, 20 dollars, 30 dollars, moi, je vais le moi, moquer avec 30 dollars, comment nous sommes sacrés, nous sommes les comme monde Android. Ce que somme les comme moi Android il y a 70 dollars 100 dollars vraiment aux inouïs via copinage via wana au mi pesa na ko baby sa bana bato ya ko baby sa bana bato yebake tout se paye ici bas nion sur le ko sana bana ya bato ba ko sala ya ngona bande ko na yo ce qui ba ko sala ngona bande ko na parce que ngona bande ko ba cité bana na yo ba ko futa yango yo moko ko souffrir et bana na yo pe ba ko souffrir voilà ne ko nangai pourquoi o sala bana na yo na difficulté évite cela ne gâche pas ta vie de colère copinage accepte zela ta ekoka nzambe apesa yo makoki o ko bala o ko bota pe ko fanda elongo na mwasi na yo na bana na yo évite cela. Éviter de konangai. C'est très important. C'est la loi de la nature. La nature a zong se la kamoutou. Kaka oya salaka. Oya koti saki, yangwa ko zong se la yo. Yo moussara na kako bebisa, ko bebisa, ko bebisa, bana batu, ko bebisa, ko bebisa. Na via kopinaje ko longa la kombe de zemi. Oko boma kombe de bana. Na via ba kopinaje e bele bele. Kombe de bana si oko bana batu, oko tika. Babote ka susute. Likolo makambo bano ko sala na bango e okofuta e ko yela pe bato na yo bana na yo bakoko na yo bandeko na yo e ko yela bango donc évite cela e ko dérange vi na yo to leki na 13e point soit un homme intègre honnête et bon car cela t'ouvrira les portes de la réussite. Ndekunanga, sois intègre, sois honnête, sois juste et bon. Fais du bon, salabolamu, chaque jour, chaque heure. Namutu nyonso, mundele, muyindo, oyebaye, oyebayete, fais du bien. Car en vivant comme ça, en faisant cela, cela t'ouvrira les portes. Et tu resteras facilement. Partout où tu as le colonaïo, et que tu peux yo. Comme il y a la Bible, et que je serai la tête et non la queue. Partout où je vais piétiner, place où tu as le colonaïo, et que tu peux yo. C'est bien. Mais est-ce que tu peux la moutonnion? Non. Et que tu peux la moutonnion? Et que tu peux la moutonnion? Et que tu peux la moutonnion? Et que tu peux la moutonnion?
ozali juste, ozali honnête. Partout à kokende à koresir, partout à koniata et kopesa melaye. Ce n'est pas n'importe qui. Donc yonde konanga zala oyo, zala honnête, zala bon envers tout le monde. Bolamu et polakate. Tu dois te donner à faire du bien. Namu kie ozana yango. Avec les paix que tu as, fais du bien, mon frère. Tala, souffrir avec ça, bolamu. Bolamu, il va nous zongela tout le temps. Il va nous zongela tout le temps. Et au moment où on a na détresse, bolamu a kobundi la yo. Na temps où on a malade, bolamu on a koya ko guérir yo. Ta vie est dans ma boko na yo. Donc, fournis des efforts. Sois honnête. Sois juste et fais du bien. Tous les jours et tout, à chaque heure, fais du bien. Merci beaucoup. 14e conseil. N'épouse pas une fille seulement à cause de sa beauté ou son statut social. Mais trouve-toi quelqu'un, une fille qui te rendra heureux toute ta vie. Jeune garçon de Komobali, le lobana basi bakomi ki toko. Vraiment, pour le moment, tu komi ce que moi na moi c'est azali mabe. D'abord, nzambe sala moi na maman c'est mabete. Mais toutes les filles bakomi na corpulence ya ki toko, elongi ya ki toko, nzoto ya ki toko. Panzoto bien dessiné, vous sentez que partout ki toko. Oyo miso na biso bato et lula ka facilement. Les lots qui ont écouté, en tout cas, dans les fins fonds. Mais presque tout le monde va comme vraiment dans l'engénie au Semalam. La beauté, il y a un mot fourni au Bala. Au Bala, moi, je cité parce que papa n'a pas été gouverneur. Papa n'a pas été ministre, PDG. Papa n'a pas été un bon, c'est un grand commerçant. Papa n'a pas été un boye. Non, laissez-moi entrer là-bas parce que j'aurai des facilités. Non. Cherche à se marier avec une fille qui te rendra heureux. Donc, pour na okuta na mwana mwasi, wana ako rendre heureux. Pour te oyé boza la sire, tu dois être sérieux. Ça la sérieux. Tu commences bien avec elle. Banda na ye malamu. Poussana na ye. Lokola yo nzambe, ochaka nzambe liboso na makamunu nyoso salaka. Nzambe ako permettre que nous kokoye na place ya mabe. Po basi nyo sote sengelo sana ndako, obala. Mwasi nyo soba bala kayete. Yade basi mwususu, vi komportema, akotika la kofana ndako li bala te. Lelo ba tebele ba bebi si ba vina bango, likole a basi oba bala. Abimisa mbongo ebele, abali mwasi wana, e mwasi wana ayana ndako, akomplika makamu na ye. Donc, soa sage, mon frère. Bote ya bana basi ekwe isayote. Ce que commis très léger devant beauté banabasi et tu seras toujours infidèle. Même au linga moi selon dengeni mais tu seras toujours infidèle parce que yo au mona mona moi si adeki o sepeli na ye o kwei na ye. Au mona mona moi si o sepeli na ye o landiye. Au mona mona moi si et tu seras vraiment je ne sais pas qui. Donc ta vie n'ira pas de loin. Tu auras des problèmes, des difficultés et tu payeras. Donc évite cela. Il faut au bala. Tu dois se marier. C'est un obligatoire. Et sa obligation, tu es obligé de se marier. Parce que ton créateur a destiné cela. Yo moi na mobali et singili obala. Et singili obala. Donc, pour na kobala, il faut que yeba nani okobala. Beauté ya moi na mwasi. Rang social na ye. Eko sayote. Eko sayote. Cherche une femme qui t'aimera. Qui t'aidera à être heureux. Merci beaucoup. C'est très important à ne pas oublier. 15e conseil, très important. Sois un homme de parole. Sois un homme de parole. Car c'est ça qui te fera ta vérité. Sois un homme de parole.
frère, c'est cela qui te qui donnera, qui fera ta fierté. Zala moto oyo et se mene au respecte ba parole na yo. Oui na yo et kika la oui. Non na yo et kika la non. Quand tu promets, tu dois réaliser. Ne promets pas, tu n'as pas de possibilité. Non. Ne promets pas pour promettre seulement. Mais soyez sûr, quand je vais promettre, je vais le réaliser. Même devant Dieu. D'abord, que ton Zambé a dit que tu vas aller te promettre devant Zambé, mais que tu saches en tout. À combien de fois ce que Zambé a dit que tu vas aller te promettre? Donc, dans la vie, dans la société, dans les églises, dans le travail, sois un homme de parole. Parce que la cire n'est pas un aïe. Alors, parce que non, ce qui est à l'objet, je suis un aïe, je suis bien. Ce qui est à promettre, je réalise ça. Ce qui est à l'objet, oui, je suis un aïe, oui. Il y a un tâteau là, et ça va toujours être solo. Et tu seras honoré dans la société. Il y aura une fierté. Tu vivras dans la paix. Et vitez à la moto, vous voyez, on ne peut pas les camps, on va limiter. On va pas nous convaincre de les camps parce qu'il a dit qu'on a farceur. Il y a un aventurier. Évitez cela. Et que son côté pendant le récit de vie. Il soit un homme de parole. Donc, pour la 16e conseil, pendant que celui ça exposé dans le ciel et l'eau, accroche-toi à Dieu, car lui seul te donnera la clé de bonheur. Si tu es de Bélaka, tu es la cima. Que Salam Zambé, te répétera le même. Accroche-toi à Dieu, car seul est lui qui te donnera la clé du bonheur. Dès que mon souffle, ton père, ta mère, et je ne passe pas comme ça dans le bonheur, Nayo. Ça peut faciliter à d'avoir quelques possibilités, quelque chose. Mais pour te battre comme ça, il y a un bonheur, que c'est le milieu. Donc, accroche-toi de lui. Quand la main aille, au tika yéke, que ça y est, quitte Nayo. Quitte le thème Nayo à Fanda, à Kambayo, à Bilgeyo, pour arriver à la bonheur. Donc, voilà les 16 conseils de Pessi, et pas Nabuso, et pas Nabino, ma gêne, et pas Nabuso, ma gêne, et pas Nabuso, ma décomme Bali, tu allais que Luka vit. Parce que, Ndekomo Bali, homme, c'est toi qui dois être la tête de la famille. Ce qui est famille, tête, ils ont pourri, alors la famille est Nyokwami et baby. C'est tout bis en Afrique. Donc, fournissons des efforts. Ndekomo Bali, les 16 conseils, Oyo, qu'on néglige en côté. Qu'on le bate, qu'il faut que tu aies une vie, non. Nous faisons cela pour t'aider, pour t'aider. Tant que nous sommes soupés, nous allons encadrer pour nous conseiller bien. Donc, profitez. Tant que nous sommes en train de commenter. Aimer, commenter. Si vous partagez ce que vous avez fait, vous allez faire mal à mon. Donc, c'était votre bien-aimé, Frère Fumuntoto, Lucas. Nous sommes là toujours pour fournir des efforts, pour conseiller, pour encadrer. Vraiment, c'est ça. Notre souci, c'est la malade. Nous sommes là, soutenez-nous. Premièrement, en s'abonnant à notre chaîne, Fumuntoto TV. Abonnez-vous. Nous sommes là pour faire la musique. La musique, nous allons faire et nous allons faire la musique. Ils allaient au coup de la chaîne de la musique, ils allaient qu'on a au coup de la motivation à l'engue et à l'engue yo. L'andaka y a autant aux utans et au sungayo. Ma camotique, tout que vous allez qu'on est au sungayo.
etango découvrir yango ko bomba yango te tindela pe bato mosusu po te esunga bango. Merci beaucoup vraiment bandeko na ngai. C'était les 16 conseils aux jeunes garçons, les 16 conseils très importants pour aider les jeunes garçons de gagner la vie. Merci beaucoup. Nzambe Lola, Otu Bingi Yahweh, Akobako Kamba Biso, Akobako Teya Biso, Akobako Dirige Biso, Sagesse Naye, et Tony Samakati Nabiso, Matina Eke, tous en sortir, Toyeba, Koma Koresir, Tokene Biboso. Merci beaucoup. Bon appétit, ça. Natike libino, mon morceau Oyanzembo, Zalanzela Nangai, écrit et chanté par Frère Fumuntoto avec ses collaborateurs. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup, mes amis, mes frères et sœurs. C'était votre frère Fumuntoto Lucas. Je vous aime beaucoup. Et avec la scène de la Nabine et l'Ongo, de Nicole Malolo, nous sommes derrière le temps. Je suis Tiwana et Ramonu. Ma émission est au Yassim. Merci beaucoup. Je vous dis que je suis là pour battre la bifole. Je vous dis que je suis là. Merci beaucoup. Ciao.